Cet homme était déguisé en gorille pour éviter une dette. Mais le chauffeur, Jacques, est soudain tombé en panne d'essence à mi-parcours. Le gorille n'a pu que sortir à nouveau de la voiture et travailler derrière lui. Mais il a eu beau faire, le camion n'a pas bougé. Le camion a finalement démarré, mais Jacques a laissé le gorille derrière lui. C'est alors qu'un vieil homme passa par là. Le gorille s'empare alors du vélo du vieil homme et s'engage sur l'autoroute. Mais le singe n'a pas remarqué que les freins du vélo étaient cassés. Alors, Jacques a ensuite essayé de faire le plein de sa voiture, mais il n'avait pas un sou en poche. Pour trouver de l'argent, Jacques a pensé que l'orang-outan devrait aller au cirque. Comme il y avait un stand de cirque juste devant lui, Jacques a fait danser les orang-outans sur place. Leur danse est un délice, et les orang-outans sont très doués. Les spectateurs ont applaudi et acclamé, et Jacques a fait fortune. Mais la performance de l'orang-outan était si bonne que le directeur du cirque a voulu l'acheter. Heureusement, notre Jacques est un homme d'honneur. Face à l'énorme somme d'argent offerte par l'autre partie, il refuse catégoriquement. Mais